Notre entreprise est située dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément à Clotibé. Salut chers abonnés de la chaîne Investi en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes avec un entrepreneur qui a commencé tout petit, mais qui aujourd'hui a vraiment fait ses preuves sur le terrain. Nous l'avons déjà présenté une fois ici, sur notre chaîne. C'est le PDG de l'entreprise La Puissance de l'Agriculture. Si tu ne le connais pas, surtout garde écoute jusqu'à la fin de cette vidéo. Et c'est tout de suite après le jingle. On m'appelle Fidèle Abokun, je suis le promoteur de la puissance de l'agriculture. Et quand on parle de la puissance de l'agriculture, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la production des essences forestières, la production des cultures maraîchères. Nous sommes aussi spécialisés dans la distribution des semences agricoles, les semences vivrières, les semences du potager. Beaucoup de matériel agricole tels que les pulvérisateurs, les arrosoirs, les binettes, les râteaux. Notre entreprise est située dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément à Clotibé. Pour la situation géographique, quand vous quittez Cotonou, vous venez au niveau du marché Clotibé, fin pavé du marché, vous laissez premier vent à votre gauche pour entrer dans la deuxième rue. Nous sommes à 4 km du goudron. Pour le site de production et en ce qui concerne notre point de vente, nous sommes, quand vous rentrez dans la deuxième rue, nous sommes à 500 mètres du goudron à gauche. La puissance de l'agriculture, nous disposons aussi des semences d'haricots. Nous disposons plusieurs variétés d'haricots dont la productivité est très forte. Et pour nos expériences pratiques du terrain, avec les variétés d'haricots qui sont à notre niveau, sur un état, on peut aller jusqu'à 3 tonnes de rendement pour les variétés qui sont à notre niveau. Par exemple, si je prends cette variété, c'est une variété locale dont la productivité est très forte. Pour un état, il faut 25 kg de cette variété. Et avec un bon suivi pour les itinéraires techniques, vous pouvez aller à 3 tonnes sur l'état. Nous disposons aussi d'une variété locale aussi, rouge, communément appelée chez nous, dans notre langue locale, Zeboipon. C'est une variété qui fait peur parce que la productivité est forte au point où ce que je dis, il faut aller réellement à la pratique pour découvrir le rendement. C'est une variété où la productivité est très forte. Avec cette variété, on peut même aller au-delà de 3 tonnes à l'hectare pour cette variété. Et celle-ci n'est pas totalement rouge et la productivité aussi, ce n'est pas du tout mal. C'est une variété locale, communément appelée dans notre langue, Mambami Chobodu. Et cette variété est en train de dire que quand tu prépares cette variété, tu n'as même pas besoin de l'huile de rouge ni l'huile d'arachide avant de le consommer. Elle est même à l'image déjà. Donc, c'est une variété où la productivité est très forte aussi, où toutes ces variétés sont disponibles à la puissance de l'agriculture. Je profite aussi de l'occasion pour vous informer que ceux qui ont des domaines où ils sont dans le besoin des semences de campêché pour faire la clôture de leur poutou, plus de soucis. Nous disposons de bonnes variétés de semences de campêché dont la pureté germinative est même au-delà de 97 pour la pureté germinative. Mis à part aussi les semences, nous disposons aussi les jeunes plantes disponibles pour vous. À la puissance de l'agriculture, nous disposons aussi des bottes de qualité, vraiment supérieures. Vous pouvez porter dans n'importe quelle brousse. Mis à part les bottes, nous disposons aussi des coucoupes de qualité. Pour toutes vos demandes, nous disposons des coucoupes de qualité. Ça, c'est crocodile, disponible à la puissance de l'agriculture. Nous disposons aussi des tabacs pour vos différentes sortes de labos. Nous disposons aussi des dabas pour vous. Vous voyez,
Avec ça, on a même envie d'aller au champ rapidement. Hein, parce que quand il y a les bonnes choses, le reste arrive facilement. Nous disposons aussi pour les pépiniéristes différentes sortes de sachets de pépinières. Ça, c'est pour les cocotiers. Nous disposons pour les cocotiers, pour les palmiers sélectionnés, pour les agrumes, les eucalyptus, les teques, les acacias et autres. Tous ces sachets de pépinières disponibles à la puissance de l'agriculture. Et nous, on se bat beaucoup sur la qualité. Tel que vous le constatez, la qualité, c'est quelque chose qui nous tient tellement au cœur, où on court beaucoup pour ça. Parce que celui qui investit dans quelque chose, il faudra qu'il ait le résultat. Donc on se bat beaucoup pour ça. À la puissance de l'agriculture, nous disposons des pulvérisateurs de différents marques. Par exemple, celle qui est devant moi, c'est un pulvérisateur manuel. C'est un pulvérisateur manuel de 16 litres pour la contenance. C'est bien solide, tel que vous le voyez. Regardez, c'est bien solide. Et ce n'est pas des pulvérisateurs que vous achetez chez des gens sous un mois, deux mois, ça se gâte. Non, c'est la qualité. Nous, on lutte beaucoup pour la qualité. C'est un pulvérisateur manuel. Nous avons aussi d'autres qualités aussi. C'est un pulvérisateur manuel aussi de 16 litres, tel que vous le voyez. Nous disposons différentes qualités de pulvérisateur manuel. Celle-ci, c'est pour faciliter toujours le bon fonctionnement du travail de nos producteurs. Celle-ci, c'est un pulvérisateur électronique, purement électronique, qui facilite beaucoup la tâche en ce qui concerne le traitement phytosanitaire. Et pour traiter un état avec cet pulvérisateur, même si la personne n'est pas du domaine, où on lui montre les techniques pour le travail, avec 2 heures de temps, il finit son travail. Comparativement au pulvérisateur manuel qui va faire 8 heures de temps. C'est une bonne marque aussi, bien solide, où l'autonomie, ça peut faire une semaine si on charge.